fait d'être accompagné et de faire partir d'un groupe de plusieurs sociétés, d'avoir une même ligne de vue et de direction pour le futur, c'était ce qu'on souhaitait à notre petite échelle. Ça amène, je veux dire, auprès des fournisseurs et auprès des clients, une confiance supplémentaire. Ça les a rassurés, dans le sens qu'il allait avoir une continuité de l'entreprise, une pérennité, une stabilité de l'emploi, dans le sens où Homserv ne veut absolument pas se séparer de son personnel, bien au contraire, a besoin de son personnel pour développer et continuer à faire fonctionner l'entreprise. La transition énergétique au niveau, maintenant on parle de la décarbonisation, donc on parle de plus en plus de pompes à chaleur, de fonctionner avec du photovoltaïque, des batteries, tous ces genres. Donc on a du travail et du pain sur la planche pour les années à venir et je pense qu'Homserv, à ce sujet-là, il saura bien nous épauler. Homserv aussi, on a aussi l'avantage d'avoir une vision peut-être à long terme, plus que nous, qu'on regarde à 6 mois, ils regardent peut-être à 5 ans ou 10 ans en avant. On peut échanger dans les deux sens, ça veut dire que si moi je trouve que telle et telle chose est bien et bonne, pour le groupe, ils m'écoutent et on fait remonter la formation et donc ça va dans les deux sens. Et écoutez, je ne regrette pas le choix, je suis satisfait de rentrer dans le groupe. Jusqu'à présent, après 10 mois de fonctionnement ensemble, je veux dire, ça fonctionne bien. Ce qui a été dit a été fait, et ce qui a été fait a été dit. Donc voilà, je pense qu'on va continuer encore pendant de longues bonnes années ensemble.